question or no comment. Bon, soit question, soit réaction. Je vais peut-être en toucher aussi. Si c'est une super bien. Donc, ok. Allez, pourquoi? D'accord. Very good. C'est bon, la semaine? C'est bon. Allez, c'est bon. Go! Il est tout. Je n'ai ni bien ni mauvais. In our mind, as a man of God, we think that to a past is man. It's very, very, very good. We don't consider today the power. We are fighting for money, the power of society. This is what we have to do, not to worry about. This is the problem we have today. It's like what he said is like using the wrong formula to solve problems. Et ça, peut-être que tu es en train de dire, c'est utiliser la mauvaise formule pour régler un problème. What we need to hold on cross. C'est qu'il faut avoir pris ta main. What God says. Qu'est-ce que Dieu a dit? He meets me. He says, seek ye first the kingdom of God. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. And his righteousness. La justice. And all. Et les autres choses. Business will be added. Seront ajoutées. So what we need to interpret, yes, money is good. But if we trust God at His word, si croyons, we step out in faith, He will make the provision. Lui qui envoie la provision. But some of us pastors, nous, we are sitting first. God, bring first money before I go. Abraham, when God said, I will bless you. He told him to God told him to move. Dieu a dit de partir. He moved. Il est parti. And God blessed him. Il s'est là-bas, il a été. So if God has called us, si Dieu nous a appelé, He has given us assignment. Si nous a donné des money pas. Or no money. Argent ou pas argent. Let's hold on this word. Gardons la parole. And let's move on. Et allons avec la parole. That's what Paul says. Et c'est ce que Paul a dit. That my God, et mon Dieu, will supply. Voilà. He didn't say so. He did not say so. Il n'a pas dit quelque chose. Paul says all, my God. Il n'a pas dit quelque chose. You and me. Si Dieu vous a appelé, as we look on in faith, si nous gardons la foi, we trust God. Nous croyons en Dieu. He will supply. Il va all what we need à tout to impact nous. Society. Alors, c'est avec ça qu'il faut impacter. La mentalité personnelle. Amen. Amen. C'est mentalité attitude. Yes. Yeah. Nous disons merci à l'apôtre. Oui, c'est thank you to the apostle. Pour sa venue. For your coming. L'impact. Il a parlé de sur un côté. You talk about the aspect. L'individu. L'individu. On doit impacter un groupe. L'individu. You have to impact a group. On aimerait aussi qu'il parle. Non, ça c'est pas le jour. C'est nous qui faisons l'église. If this one is not impacted, if I'm not impacted, si je we come together. On vient ensemble. That's why the problem is in church. Là, le problème commence. Because the people start to impact. Ceux qui sont dans l'église ne sont même pas impactés. Ah, ok. Donc, stop. Non, tu vas. Donc, c'est quoi? Tu veux que tu tentes? C'est lui qui vous détruit. Y no te denuncias.
So have listened, right? One of the problems in the church is today. L'un des problèmes dans l'église aujourd'hui. Because people's individual life. Parce que la vie individuelle. It's not genuinely impacted by the word. Pas véritablement impacté à la parole de Dieu. My brother, come. Okay. If your life is impacted. If your life is impacted. Ta vie impactée. If your life is impacted, okay, let me say you, your life before you met Christ. Avant que tu ne rencontres Jésus. I'm not saying you used to steal. Okay. Je ne sais pas, je steal. Tu voulais. Before you came to Christ. Avant de venir à Christ. You, voilà. Before you came to Christ, avant de venir à Christ, you used to cause trouble a lot. Tu fais des problèmes à tout le monde. You. Before you came to know Jesus, it's just example. C'est un exemple, hein? You used to fight a lot. Now you have had the gospel preached, and the word of God has impacted your life. What you used to do before, c'est que tu faisais avant. Would you do it again? Est-ce que tu vas faire ça encore? Non, non. Why? Pourquoi? Parce que ma vie a été transformée. Et ça me transforme par la parole de Dieu. Allez voir le corps. So your life is changed. La vie a changé. Oui. Yes. So now if you have temptation to do what you used to do, what? Et si tu es tenté de faire ce que tu faisais avant, ce que tu vas faire? Non, je ne peux plus faire parce que j'ai besoin de la nature.